Bon, on avait récupéré le doudou de ma petite sœur. Et maintenant, on va sortir de la cabane. Cabane au fond du jardin. Ils me cherchent, j'ai peur. Calme-toi, j'arrive. Je serai là avant eux. Qui est là? Ryan! Oui, Lilia, c'est moi. Désolé, je ne me souviens pas bien de toi. Ryan, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? J'en sais rien, mais ne t'inquiète pas, je te protégerai, quoi qu'il en coûte. Pourquoi pleures-tu? Papa m'avait prédit tout ça. Il m'avait dit que tu viendrais me chercher. Et il avait dit aussi que je devais envoyer sans cesse des messages télépathiques à ma poupée pour réussir à te contacter. Lilia, où es-tu? À l'hôtel Babylone, à Michelangelo City. Je ne vais pas tarder. Fais vite, Ryan! Oh, ça fait mal. Tu ferais mieux de me dire où est Lilia. Je suis sûre que la mémoire te revient, non? Donc, tu me surveillais. Depuis la minute où tu t'es échappé de l'hôpital. Je crois que je vais être déconnectée. Mais continue, je ne m'étais jamais autant amusée. Qu'est-ce qu'il veut dire pas amuser? Ouais, mais si c'est la foire. Il est lent. Il est lent. Là, je dormais, hein, dis-le. Pourquoi je peux pas faire mon pouvoir? Je suis con. En fait, on va recommencer parce que je suis juste débile. C'est juste que faut que je me remette en piste. Beaucoup même. Bon. J'anticipe ces mouvements. Oh putain, mais c'est incroyable. Ah j'essaie, bah oui, bien sûr. Je suis à demeurer. Je suis vraiment à demeurer. J'essaie au lieu de charger, c'est cool. Toi de mon chemin, tu n'as aucune chance. En fait, il y a toutes ces chances, mais bon, bref. Ah, il y a toutes ces chances. Hein. Et là, je me fais démonter, mais il y a un truc de ouf. Je sais pas où il était, je le vois même pas.
Ah! Ta mère à pute. Faut arrêter de confondre chargé puis save parce que ça va me coûter cher ça, un de ces quatre. Ça va me coûter très cher si je continue mes conneries. F1 save! Genre il a eu. Genre il a eu le temps de lancer son truc. Oui là ok là je vois bien qu'il a eu le temps vu que j'ai mis un siècle. Ah putain là j'ai mal le temps, putain c'est. Fais chier. Ah ouais putain mais en fait il. Avant j'avais réussi à le toucher sans qu'il ait le temps et là. Ouais, non, bon, il y a le temps. Je vais tuer. Ok, ouais, mais si le mec il est hors champ, je suis désolé, mais faut peut-être arrêter vos conneries, les mecs. Hein, reviens ici, connard! Ah, merci, putain, tête de con. Hein. Je me cache derrière. Ça me les gonfle, c'est un truc de ouf. On va utiliser le pouvoir que comme ça parce que. Je pourrais pas. Je peux pas le charger à fond parce que. Ça, là, j'ai plus le temps un peu. Alors là, il faut faire save. Parce que je me suis bien débrouillé là. Pas mis la balle. Bon, alors. Voici là. Mais oui, mais le gars, oh, arrêtez de foutre hors champ, s'il vous plaît. Voilà, et bien sûr. Allez, je n'arrive pas à appuyer assez rapidement pour qu'il se relève vite. Je suis. Mes doigts sont épuisés. Bon, ça va, je me débrouille pas mal. Je vais prendre ça de la gueule. Là je vois pas. C'est où ta pète?
faut que j'aille là-bas pour qu'il apparaisse. Voilà. Ça fait mal. Je la ramasse là, fou. C'est dur, c'est dur, c'est. Je vous cache pas que c'est dur. Là, là, ça devient. Putain. Bon, casse-toi de ça. Merci. Je suis trop lent. Je suis trop lent. Je suis pas assez réactif. Mais bon, on va essayer. Lui, il est hors champ, je le vois pas. Donc. C'est normal comme tire dessus, hop. Ok. Oui, bah photo quoi, bref, prends des soins mec, je sais pas pourquoi tu... Prends des soins. Ok. Là t'as voulu toucher pas une touche, il serait le fort. Genre. Trop dur. Je galère à ma race, putain. Aïe. Arrêtez. Putain, fils de pute, va. Toi que je t'ingue ta mère et ton père, toi enculé, va. Ah, déjà deux. Ah, au moins, je sais. C'est gagné tous les deux secondes, mais bon. Yeah, on est bon là. Ah, ils reviennent. Il joue avec moi en fait. Ah, je vais avoir du soin. Seb, tu dois en branler, je pense que je vois. Ah, il faut que je prenne encore un autre truc. Faut que je prenne aussi ça. Du alcool. Je sais. Ça perd un petit beaucoup là. Totalement. J'ai bien eu. Faut que je sève un peu. Écoute. Bien joué, connard. Temps de... Pourquoi il met un siècle à se relever là? Pourquoi avant il faisait pas ça? Allez, putain. Allez, lève-toi! Comment faut faire pour qu'il se relève plus vite, putain? Oh bah la cure géniale. Ah.
Ah mais genre... Putain... C'est une blague. Tu veux ski là? Ryan, tu veux ski? Ok, pourtant j'ai appuyé plein de fois sur... Ça va même pas savoir demi, on sait pas quand Pourquoi à chaque fois que je suis là ça marche pas? Logique que ça marche normalement. Pourtant ça ne marche pas. Ah ça marche pas, c'est bizarre. Bon, ok, vas-y, c'est bien parce que j'ai essayé vraiment au mauvais endroit, moi. Bon, on s'en fout. Voilà. Là, je vois personne, mais. Là, je me prends toujours une boule dans la gueule, moi. Je dis, voilà. Fred! Freddy! 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 Où es-tu? T'es présent? Raté! Tiens, vache! Je la ramasse totalement! Merci! Save! Moi aussi j'ai un pouvoir de vue. Le pouvoir de jeu de t'encule. Je m'en fous, je sais vraiment, c'est bon. Voici la vie.
ça, il s'amuse. Là oui parce que je vais essayer de la faire comme ça hein. Je crois que il faudra tout prendre là au niveau de... des pilules parce que là, putain là voilà quoi, on est obligé de prendre des dégâts, il y a des boss, c'est comme ça, on est obligé de encaisser. Ah putain, je ne peux rien faire, je suis frustré là, je suis frustré, on dirait pas comme ça mais voilà, t'as rien. Je suis lent en fait, je suis lent. Mais en même temps, c'est pas moi qui est lent, hein. c'est mon perso, il est super lent en fait. Alors ça, ce genre de truc, je peux vous dire que putain, ça me les gonfle, hein, mais pas qu'un peu. C'est comme ça que j'ai, faut que je bouge pas, faut que j'attends qu'ils font ce Kamehameha. Voilà, il a pas fait, c'est dommage. J'aurai bientôt. Non putain pas ça. Pitié les enfants. Dans ta gueule. Je vais l'avoir. Watchet, ça s'appelle. Ouais, ça. C'est ce faire. Trop tard. Ah, il m'a bien, putain. Il arrive bien. Pourquoi ça sève là? Je sais pas pourquoi ça sève là. Ah, je vois pas. Hors champ, voilà. Voilà. C'est génial, hein, quand ils sont hors champ, c'est super agréable. Voilà, je peux avoir personne. Putain, il anticipe mais moi je sais pas comment ils arrivent à encoder des ennemis comme ça, putain, je crois pas. Non.
Ah, les couilles. Ouais, bon, tu veux faire ça combien de fois, toi? C'est bon, tu décides de faire ça comme Yamia ou. En fait, à chaque fois, il arrive à m'avoir. À chaque fois, je me fais avoir, putain, c'est. Bien. Ta gueule, pute, pute. Là, je suis con, c'est pour ça que j'ai raté. Là, je suis con, c'est pour ça qu'il m'a eu. Quand tu voudras mourir, tu me le dis. Hein. Comme ça, on se fait une bouffe, je sais pas. Fais attends. Ah, il faut dire que c'est pas. Voilà. Hein? Faut pas me faire chier. Ce fut long, hein. On est d'accord. Mais bon, bref. On l'a baisé, ce fils de pute, va. Suis-je en train de mourir? Te méfier. Tu ferais bien de te méfier. Me méfier de quoi? De toi-même. De toi-même, bien sûr. Liliane n'avait jamais arrêté de m'envoyer des messages par l'intermédiaire de la vieille poupée abandonnée dans la remise. Dans son esprit était caché le virus informatique qui devait détruire l'ordinateur fou. Et dans le mien, le système d'activation de ce virus. Mes parents sont morts. Et aujourd'hui, j'ai tué un homme que je venais à peine de rencontrer. Mon cœur est empli de terreur. Cet homme, il voulait te tuer. Hein. Pour info. Ouais, je veux bien sauvegarder. C'est une bonne idée.
Yes. Insérer le disque 2. Comment je puisse faire ça? À mon âge. Bon. Alors. Insérer le disque 2. Facile. Donc on va insérer le disque 2. Hop. En faisant ça. Ça. Hop. Et on voit rien, je vois rien du tout. Ah, changer de disque là, changer de disque. Pas pris. C'est quoi ça? C'est lettres. C'est quoi ça? C'est des ROM. Et en bas, il y a écrit quoi? Merde, ça a disparu, putain! Ta mère la pute. Bien, dis un grand pot. ISO. Sur ISO. Changer d'ISO. Voilà, nickel, on fait comme ça. Et on met le CD numéro 2 qui est là. Parfait. Ça va, c'est pas compliqué. Sachant qu'il y a 3 CD, hein, pour info. Comment les gens, ils étaient trop chelous, moi je dis. Vas-y, c'est reparti. Voyez, il y a un vieux canapé tout usé. Ah, il y a quelqu'un. Voilà. Oh, merci, putain. Putain. Bienvenue à l'hôtel Babylone. Vous voulez une chambre simple? Je cherche une fille qui s'appelle Lilia. Je crois qu'elle est ici. Lilia? Non, il n'y a personne de ce nom-là. Vous avez la chambre 302. Et lui, il dit quoi? Vous avez la chambre 302. Ça sert pas la machine là. En fait, je sais pas, je suis en train de me poser la question si j'aurais pas dû avancer comme ça, mais bon, alors, ça, je pense que ça aurait l'air. Alors, on va pas où là, putain, y'a un des. Ouais, amène-nous la porte là déjà. Amène où? Bon, bah, les fameux MVC. Où on trouve jamais rien d'ailleurs. Enfin, on trouve jamais rien d'ailleurs, c'est. Y'a un vieux climatiseur. Ils ont la clim, putain. La classe. Je me demande bien où elle peut être. On va la chercher, Ryan. Ah, est-ce que ça va allumer le truc? Non, je vois. Ça, c'est bizarre. Là c'est fermé, regardez. La chaufferie est inaccessible. Et pourquoi donc ceci? Et pourquoi donc cela? Ça m'aide si je vais là. Ah c'est... c'est... Ah, je peux pas aller, d'accord. Réservé au personnel.
C'est quoi, ça sera les escaliers là? Non? Ce serait logique quoi. Ouais, c'est où on prend l'ascenseur ou on prend les escaliers? Ah non, c'est. D'accord, ok, bon, on va faire ça. On va save. C'est le même étage, non? Ouais, c'est le rez-de-chaussée, quoi. On va au deuxième étage. Et délabré, hein? Chambre 204. Chambre 203. C'est pas le numéro de ma chambre là, 203? Ah, j'ai même pas la clé. Ouais, je trouve pas la clé. C'est une horloge. Chambre 205. Chambre 202. Elle est verrouillée. Vous ne parvenez pas à l'ouvrir. Ah bah attends, je suis con. Rudy. Elle est verrouillée. Vous ne pouvez pas. Ok, c'est cool. Faut appuyer deux fois en fait. Ah, pour qu'ils nous disent la chambre que c'est. La porte est verrouillée. Rien à faire. Je suis sûr qu'elle est là, ma soeur. Je suis très occupé en ce moment. Je vais transformer le monde, tu sais. C'est bizarre. Bon, de toute façon, tous les autres portes sont verrouillées. Je vais essayer la 206. Chambre 206. Elle est ouverte. Je n'aime pas les petits garçons. Tu vas voir. Allez, va-t'en. Tiens, mais. Je te dis que je n'aime pas les petits garçons. Alors sors, va-t'en. Va-t'en tout de suite. Voilà. Vous avez vu? Il y avait un ovni sur une croix. C'est tout taré dans cet hôtel, c'est pas possible. Pas quelqu'un de lucide, merde. Chambre 201. C'est fermé et personne ne répond. Bon. Ok. On va monter au troisième.
Est-ce que je peux retourner dans la chambre? Pour voir. Plus quoi Ouais, faire. non, bah ça change rien, Je c'est... sais plus où j'en suis. Bon, on peut passer, c'est bien. T'as rien à faire dans le coin. T'as envie de mourir ou quoi? Non, je cherche quelqu'un, c'est tout. Un petit conseil. Fous le camp d'ici si tu tiens à la vie. Attendez. C'est un flingue hein, qui a posé sur ta bonnet, d'accord? Au moins, il m'a donné un bon conseil. Elle est verrouillée. Vous ne parvenez pas à l'ouvrir. Bon, j'imagine que c'est ma chambre, non? Lilia, où es-tu? Pourquoi ne me contactes-tu pas? D'accord, merci. Lilia? Il n'y a plus d'issue, désormais. Sexy, la madame sexy. Elle avait un beau décolleté. Bref. Je suis en dehors de la visite, c'est ça? Oh là, j'ai un lit. Aucune trace de Lilia. Non, ça blague. Ça. Je me demande bien où elle peut être. Putain, regarde, c'est des portes en ferraille. Il dit jamais un truc sur le chiotte pourtant, hein, quoi. À votre service, chambre 306. 306! Qu'est-ce que ça veut dire? Faut que j'aille à la chope 306. On dirait qu'il y a des pièces, non? C'est quoi? C'est. Non, en fait, Ok. On dit qu'il y avait des pièces au lit, mais en fait, c'est juste le. Il y a de la curette. Ouais, je veux bien. Ouais. Tu t'attendais à quoi? Qu'est-ce que je suis le bureau? C'était 306, hein, ouais. C'est la 302. Ça, c'est la combienième, ça? Je me rappelle plus. 305. Ouais. Bah, c'est celle-là, la 306. Qu'est-ce que tu fais ici? Je cherche quelqu'un. Comment tu t'appelles? Ryan Steiner. Ryan Steiner? Bon, bah écoute, t'as l'air correct. Mais il va falloir d'abord que je contacte quelqu'un. Donc tu vas devoir attendre un tout petit peu. Voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire pour l'instant. Ok. Thank you.
Chambre 301. Elle est verrouillée. Bon. Faut que j'attende un peu, quoi, c'est ça. Peut-être me téléphoner après si je reviens dans ma chambre, je sais pas. Peut-être. Ça, je vais aller fouiller les chambres d'à côté. C'est au deuxième étage qu'il y a eu la meuf. Pourquoi ça répond pas? C'est pas dans la chambre là où il y a la meuf qui pleurait? Oui, je crois qu'il aime pas les enfants. Lui, il est armé. Sur moi. Ne cherche pas trop. C'est une mauvaise idée. Je me suis pris une droite. Ouais, on peut pas charger. Comme ça, on le sait que. Ouais, quoi. Ça ne s'ouvre pas. Oui, on t'a essayé par toi. Les verrouillés. Ok. La réception a disparu. Enfin, le réceptionniste. Oh putain. Mais d'où vient tout ce sang? Mon dieu, c'est horrible. Des machines. Merde, comme par hasard. Toutes les clés ont disparu. Les salopios, toutes, vraiment toutes. Regarde mieux, Ryan. Ouais, bon, toutes les clés ont disparu. Bon, je vais voir. Bon, on ira voir après, derrière cette porte, de la prochaine vidéo. Pour voir à qui appartient tout ce sang. Allez, à suivre. Ouais.